Bonjour, notre cours d'aujourd'hui portera sur les fleurs en peinture à l'huile. Donc je vais faire quatre fleurs différentes. Donc une marguerite, un flamenco. Flamenco, donc ça veut dire merveille, parce que c'est un petit peu entre la rose et l'œillet. Enfin, il y a beaucoup de sortes de flamenco. Un iris. Et un coquelicot. Dans cet exercice, nous allons utiliser des peintures primaires, en l'occurrence un bleu outre-mer, terre de sienne naturelle en supplément, un ocre jaune et un jaune citron. Là, c'est le papier Canson 300 g, papier très épais. Un crayon pastel blanc. Pour l'esquisse. Voici l'esquisse. Vous remarquerez qu'il y a deux couleurs de fond, à droite donc du noir et à gauche un violet très foncé. Là nous allons commencer donc la marguerite en démarrant par des petites pétales se trouvant au-dessous de la fleur. Vous remarquerez que j'ai mis aussi un peu de violet, mais plus clair. Dans lequel je n'ai pas mis de bleu outre-mer, mais du bleu ordinaire. Les pétales faites, ce qui est très facile à faire. Donc on va attaquer le pistil. Là, je prends donc de la terre de sienne naturelle. Et je vais ajouter du jaune. Il faut y aller vraiment par petites touches sans appuyer trop fort. Vous voyez, quand on appuie un petit peu, c'est pas suffisant, on ne le voit pas. Bah, du moins pas assez. Vous voyez, on y va légèrement. En appuyant légèrement, ça se voit. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Alors maintenant, nous allons passer aux feuilles. Alors donc un zigzag pour faire le cœur de la feuille, on remonte, on tourne, on relève et on tire. Puis le contour de la feuille qu'on fait en plusieurs étapes. Vous voyez une étape, la deuxième. L'autre côté pareil, deuxième et troisième jusqu'à la pointe. Ensuite on fait la nervure qui se trouve donc au milieu de la feuille. Ensuite je prends du vert un peu plus foncé pour pas mélanger avec la feuille du dessus parce que celle-ci se trouve en dessous. Et la petite nervure. Troisième feuille, zigzag. On relève et on tire. Le contour, une étape, deux étapes, trois étapes. Même chose de l'autre côté. Une, deux, trois. Alors si c'est pas bien fait, si le contour n'est pas impeccable, l'avantage de la peinture à l'huile, c'est que on peut toujours reprendre. Alors quand on reprend, bah, c'est quand on rajoute de la couleur. Comme là, donc je remets du vert plus foncé pour faire une différence dans la feuille. Donc vous mettez du vert plus foncé, puis le côté vous éclaircissez, vous mettez un petit peu de blanc, mais très léger. Vous voyez, le contour est déjà plus propre.
la petite nervure. Et donc vous l'attachez à la fleur. Vous voyez, on reprend et là on le fait plus propre. Une fois terminé, vous voyez que ça fait beaucoup plus propre. Bon, bien sûr, ça ne donne pas trop bien de loin, mais de près, mais de loin, ça rend vraiment pas mal. Alors là, on attaque le flamenco. Le flamenco, pour faire la couleur de fond, donc on fait déjà toutes les pétales, en respectant au mieux la forme, avec de l'ocre jaune. Vous prenez de l'ocre jaune que vous mélangez avec un peu de blanc, parce que l'ocre jaune est quand même très foncé. Là, je rajoute un tout petit peu de violet dedans, léger. Et après, je rajoute du jaune, que je démarre du haut, en allant jusqu'en bas, vers le centre. Là, actuellement, je prends du blanc et je fais le contour des pétales. Là, par contre, on redescend pas, ou du moins très très peu, pour certains endroits, pour donner un peu de différence et du volume. Donc on donne des effets bombés, des effets crottés. Pour l'effet bombé, donc vous prenez du haut, vous tirez jusqu'en bas, et pour les effets creux, donc dans le milieu, il faut toujours le faire un petit peu plus foncé, et vous ne descendez pas jusqu'en bas. À peu près à mi-pétale, de façon à donner cet effet-là. Vous voyez, à cet endroit-là, je mets un peu plus de blanc. Et voilà ce que ça donne, il faut terminer. Vous voyez, ça fait bombé et creux. Alors maintenant, nous allons passer au coquelicot. Coquelicot, c'est une très jolie fleur qui est quand même assez rouge. Là, par contre, donc, je mets du rouge primaire. Mais vous remarquerez que dans le milieu, j'ai fait des petits effets en violet, de façon à donner un petit peu plus de foncé. Donc je fais descendre mon rouge dans le violet, de façon à mélanger un petit peu. Et là par contre, je remets donc du violet, mais sur le bord du haut de la fleur. Mais uniquement sur le bord. Et en bas, à l'endroit où c'est ouvert, là par contre, je vais ajouter du jaune et un petit peu de blanc. Une fois terminé, regardez ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, ça fait un effet de relief. Ça fait quand même assez joli. Alors maintenant, donc, nous allons passer à l'iris. Bien sûr, le fond est noir. Et là, j'attaque les tiges des feuilles. Les tiges qui sont quand même assez pointues. Donc le haut, je le fais toujours un petit peu plus blanc, que je vais rajouter après, parce que là, pour l'instant, je mets du vert, exactement le même vert partout. Un vert moyen. Après, je remets un peu de clair sur un côté, mais toujours le même côté, hein. Et après, je remets un peu de foncé sur l'autre côté. Et je termine donc mes pointes par du blanc. Là, je remets de l'ocre jaune. Je refais comme la fleur précédente. Et là, je fais donc entièrement, je dis bien entièrement, la pétale. Et je fais ça partout. Donc, je laisse le trait de crayon de façon à ce que on le voie bien. Vous voyez? Donc, je les ai fait sur toutes les pétales. Ensuite, je rajoute du jaune. Et c'est là que je prends donc mon jaune citron pour éclaircir davantage, auquel j'ai rajouté un peu de blanc. Parce que le citron est très très clair, mais vu par-dessus de l'ocre jaune, donc ça va encore faire un jaune foncé. Donc je rajoute forcément du blanc. Vous
Là, je suis en train de donner un effet bombé. Et là, par contre, vous voyez, là, je cache des traits de crayon. Là, je remets un petit peu sur les bords. Et ensuite, pour terminer, c'est là que je rajoute du blanc, comme j'ai fait pour la fleur précédente. Remarquerez que j'ai un petit peu de vert aussi dedans parce que ça prend aussi donc sur les tiges du dessous. Ça se mélange un tout petit peu avec la fleur. Ce qui rend quand même assez joli. Vous voyez, j'ai fait un effet bombé là. Là maintenant, donc je prends de la terre de sienne naturelle. Que je tamponne un petit peu avec la pointe du pinceau. Là par contre, bien sûr, il va falloir que j'en reprenne quand même parce que ça marque pas assez. Ça soit marqué un petit peu plus fort. Mais c'est pas encore suffisant, hein, parce que par-dessus le jaune et le blanc, la terre de sienne a tendance à se mélanger un petit peu trop. Vous tamponnez mais très légèrement de façon à, vous voyez, à mettre vraiment du foncé. Et là on le voit. Donc la même chose sur les deux. Et pourquoi justement il faut que ça soit très foncé, étant donné que je vais prendre mon liner après. Et avec donc une pointe de blanc. Et donc le blanc, ça va faire la même chose que la terre de sienne naturelle. On est obligé de le remettre une deuxième fois dessus parce que. On va passer parce qu'il faut vraiment tamponner, mais très léger de façon à faire des petits points. Ce qui donne donc tout le pistil. Même chose de l'autre côté. Bah écoutez, je vous remercie bien de m'avoir suivi. Et j'espère vous avoir fait montrer quelque chose qui vous a ravi. Voici le tableau terminé. Avec toutes les fleurs confondues. Merci de m'avoir suivi.